Moi j'ai un concept à proposer. Faut que Vas-y. nous, les méchants de la Yungti, on booste Sisket jusqu'au champion. Je pense que ça peut être bien vu qu'ils jouent qu'en non-ranked, ils jouent que contre des noobs, c'est facile d'être fort. Mais faut le voir contre des vrais champions. Mais vos mères, les Attends, gars! Mais tu pourrais avoir le champion! Ok, mais combien de fois t'as live dans ta vie, toi? Jia, tu live, t'as 32k machin, t'as déjà live? Ah oui. Ok, combien de fois tu t'es fait streamac? Ah ouais, beaucoup, parce que un champion. Ok. Les gens, ils jouent leur mère, bon, bah alors, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Mais c'est pas grave, ils sont nuls maintenant, même si streamac, ils s'en foutent. Non, mais t'es ouf! Mais les gars, vous avez toujours pas compris, les gars! Il faut que vous vous rappeliez un truc qui est extrêmement important, ok? 100% des personnes qui jouent avec un streamer jouent en dessous de leur niveau habituel. En dessous. 100% des personnes qui tombent contre un streamer, c'est leur jour de gloire, ils vont forcément surperformer. T'as peur de pas être au niveau ou quoi? Quoi? Bien sûr! Bien sûr! Va ni ta mère toi! Va ni ta mère! Va bien ni ta mère, Jia. Remember it. On a voulu changer Thio parce que c'était peut-être celui qui s'était le moins amélioré depuis la création de l'équipe. On est resté en bon terme avec lui, etc. Donc du coup, on a pris RQ à la place, qui est très sympathique, ma foi. Mais alors, pourquoi ouais. RQ, mis à part pour me foutre encore plus mal avec Ubisoft? C'est ça la question. Faut pas se mentir, à la GA, le niveau, il était nul. Faut pas se mentir. Ah ouais, ah ouais. Il va dire les termes. Ah oui. Ah non, mais le niveau de la GA, c'est faible. Si... Et nous, le projet, c'était pas de faire un bon truc qu'à la GIA, tu vois. On veut viser plus haut niveau européen et n'importe quelle équipe mid-Europe aurait fait un top de GIA. Si on veut faire un truc bon en Europe, faut faire des changements et avoir un meilleur joueur. Bref, on veut être pas qu'une bonne équipe française, on veut être une bonne équipe européenne et avec Thio, ça aurait pas été possible, c'est tout. Genre, si on doit être transparent et tout, en online, en Europe, actuellement, on pue la merde. On est vraiment trop nuls et c'est pour ça que c'était un peu la crise au mic, là, ces derniers temps. Et voilà, on travaille pour être meilleur et on verra plus tard si ça s'améliore. Et si ça améliorera pas, on refera des changements, puis c'est tout. Ça doit être Nesca Freezer. Ouf, Freezer. Faites gaffe, la knock un peu push, j'aurai pas l'info. Je garde les stars du tour. Je pense que la knock elle va décaler. Le drone il est sous la cam. Freezer, ah, c'est rentré, Freezer. Oh, la cam. Ah, je vois pas que c'était blanche. Dommage, Irish. Ok, les gars, c'est quoi le niveau en face? C'est champion en face. En gros, la question, une fois de plus, toujours dans la logique, dans la transparence, je sais pas si vous êtes juste en mode détente ou... voilà, parce que même si on est dans une logique de showmatch, ça reste une prac, ok? Donc quand bien même derrière, il pourrait y avoir une impression... Enfin, faut que ça serve. Utilisons ce genre de truc-là, même s'il est pas forcément représentatif, à la limite, pour essayer de travailler des trucs. Genre des plays à deux qui nous manquent. Et qui pue la merde. Ils jouent pas ensemble en fait. C'est ce qu'on a dit avant le match. En fait, c'est pas qu'on veut pas essayer des trucs, c'est juste que on peut pas. Ça sert à rien, ça sera pas représentatif d'une vraie partie quoi. Le mec main, je crois. Il push main à mon avis, il est déjà rentré en bas. Le blush, mate. Il est déjà Lundry, hein. Ouais, Lundry, il a push. Ah, mais il bat la morte. Bleu. Encore un sachet. Petite pièce, close up. Ah, petite pièce, ouais. Ok, vous allez juste faire un truc du coup extrêmement simple. Personne sur site, vous pouvez faire le setup que vous voulez. Zéro personne sur le site. Genre j'ai zéro, ok. Vous avez le droit de retourner sur le site et à proximité. Que si la bombe elle est plantée. Et l'intérêt de faire ça, c'est une technique ou juste un gage. Non, Mais j'ai pas les ils puent la merde sur le play à deux en fait. Ils ont du mal à avoir cette capacité de temps en temps à proposer des plays à deux et plus que d'être dans la proposition, à être dans l'ordre au final. Viens avec moi, viens on le défonce lui. Vas-y sur la pente, on le joue, vas-y, let's go, décale, je décale avec toi, bam, on le défonce. Et ça c'est pas forcément un leader qui va avoir ce truc là, ce mini play au final, cette mini situation. Et il faut qu'ils arrivent à travailler là-dessus. Et comme il y en a deux, Nero et Skart, qui n'ont pas cette capacité de temps en temps de prendre le lead et qui sont vraiment dans la proposition un peu trop polie au final, on perd du temps et on perd de l'efficacité avec des trucs du genre « ça te dit on va lui niquer la gueule ?» Et ça c'est relou en fait. Je sais pas où est-ce que ça plante, c'est pas Sam. J'allais grainer moi. C'est pas sac de Sam. Moi je suis pas banning moi. J'ai pris le nomade. Tu l'attrapes site. Bien joué. Mort, il y en a. Go freeze, 5v2, 5v2. Là c'est tour. Exit tour, exit tour, il y en a. Ils sont deux. Allez à droite. Quelqu'un veut le pick avec moi? Allez, je suis avec toi. Ok, c'est toi, c'est moi. Juste, t'as pas besoin de pick. Pick avec moi, le dernier là, ça c'est choix, c'est ça. Il doit être ici, je pense. Non, à la window, pour l'affaire. Je diffuse. 25 Warden, Warden, y'a que toi qui peux voir à travers les flashs. Il est quoi? C'est pas possible. C'est une catastrophe son cerveau les gars. C'est une catastrophe. Mais bon. Diffuse. On peut pas donner. Tu le voyais bien au moins le diffuse. Je sais pas, j'ai pas pensé.
Je vais flasher le mec Kids et on décale le mec top blanc. Toi, va à la porte. Il est à la porte, Kids. Hein. Allez, vas-y. Y'a pas de rang, top blanc, non. Il en a fait. J'essaie de flash le top blanc. Vas-y, t'es prêt? C'est bon? Ouais, ouais, go. Et plus à moi? Oh, c'est toi, ça? Tranquille. Last Kids. Close à... Il est close. Allez, je plante, hein. Top, je plante. Il y a un tic à tic. Au ping jaune debout. Il push la porte. 75. Porte à tic, il push, il décale. Il m'a enculé. Il est au ping jaune debout. Bon, et RQ, alors, c'est bon. T'es content d'avoir rejoint Youngtis ou quoi? Bien sûr. Il est dépité. Ah bah, cache pas joie, mec. Hein. Il y a du travail, mais c'est sympa. Au moins, niveau ambiance, c'est cool. C'est pas non plus comme si c'était la catastrophe. Il y a des choses à sauver, il y a des choses à faire. Oh la vache, ok, excuse-nous. Bah, le mec a niqué totalement l'ambiance, quoi. Le plus gros truc de cette équipe, ça va quand même être de pas avoir des putains de dépressifs, quand même, hein, nom de Dieu. Donc, le premier des trucs qu'on va faire, à partir de maintenant, à chaque fois que vous commencez une prac, hein, petite bière. Voilà, ça va être le premier exercice. Petite bière pour chacun. Ok, sur la défense, pareil, même chose. On établit un truc. On essaie de jouer à la limite sur le fait de pouvoir étendre et de jouer sur la logique de quand est-ce qu'on revient. Et après, en attaque, je sais pas. Est-ce qu'on n'empêche pas Jaya de lead? Moi, je suis chaud, Scar, tu prends le thermite et je prends. Ça va pas changer grand chose, si. Bah, si, je lead. Ok, ça marche. Ça me va. Et ça permet à tout le monde aussi de toujours avoir ce truc dont on parlait déjà. Connaître ses strats, c'est bien. Connaître le plan de jeu général, c'est mieux, quoi. Ce qu'on fera tout à l'heure, de toute façon, c'est simple. Parce que vous ouvrez tous votre grande gueule. Mais j'ai bien envie de voir un Soldi Duel spécial Youngtis Royal. Oh là là, ouais. Mais viens, ça sert à rien. Ça va rien dire, tu vois. Ah, il commence à flipper. Il commence à flipper. Moi, je suis chaud, tu mets ce 4 premier tour. Moi, j'ai une free win. Mais... Oh, c'est ça, ouais. Vas-y. C'est vrai qu'un V1, regarde, dans ce cas-là, c'est RQ, bon, vous avez qu'à vous riner MBDS, Liquefac. Et RQ, il fera pas un frag. Il va commencer à avoir le niveau intellectuel de Nero. Mais ouais, franchement. Et 50€ pour celui qui gagne. Vu le game sense de certains dans l'équipe, j'ai vraiment pas peur d'eux. Mais Jaya t'ouvre trop ta gueule. Eh, s'il vous plaît, les amis, défoncez-lui sa grande gueule. C'est pas possible. Du coup, vu qu'on est 5, il faut bien un 6ème, donc j'espère que ce sera toi. Hein? Bah ouais, on va faire un... Faut un nombre faire. Il faut un 6ème, donc j'espère que ce sera toi le 6ème. Allô? Attends, y'a un problème avec le... Voilà. Mais j'ai pas joué depuis un mois, t'es un fils de... Baba Bowie. T'as vraiment envie que je me fasse défoncer, c'est ça le but, quoi. Moi, le seul truc que je veux, c'est que Jaya termine dernier. C'est le seul truc. Ah ouais. Je veux ça qu'il se fasse enculer. Et il ouvre trop sa gueule avec son petit taux hautain, là. Alors que physiquement, il est gaulé comme un sandwich SNCF. J'ai des cheveux. C'est vrai, le fils de... Ils sont au dortoir. Mira et Goyo. Dortoir. Ouais. Non, Mira ou Frost, hein. Il y a du Jaeger aussi. Vas-y, je vais faire full rotage, j'équipe le Ace. Un qui va open tout ce qui est côté café et tout. Toujours Mira. Elle est morte. J'avance aussi, du coup. Regarde, il y avait un mec drogue, il y avait Goyo drogue, hein. Ah, t'inquiète, je vais garder mon back. Je vais café, du coup. J'ai comment le faire initiation? Va jouer côté le top yellow. Ah, bien, rappelle Kitchen peut-être, non? Attendez, je vais rotage. J'ai le Funk Kitchen. Vas-y. J'ai mis le site. Vas-y. Freezer. Un mec sur A, les gens sur A. Le mur site est open, initiation. T'es où? On va essayer de voir où ils sont, hein. C'est un trou volté ou pas? 5v3, un top par 4, un top par 4. Vas-y, je pique le mec top par 4. Les gens ils piquent top par 4. Non, je prenais la cam. Top par 4 encore un, Jaeger. Top arcade. Ouais, top arcade. Et l'autre, je sais pas. Vas-y, j'avance sur site, GR. Vas-y, je vais avancer, je vais planter derrière la bombe. Kitchen. C'est mort. Elle était voltée ta bridge ou pas? La mienne? Ouais. Non. Enfin, t'es sûr? Je sais pas. Fais gaffe quand même à ça. J'ai eu un petit doute. Si tu prends Ace, mec, s'il te plaît, fais-moi des. Jamais je veux voir une ligne, jamais je veux voir un truc volté, hein. Ok? Ils sont où? Enfin, la même, ils sont sixième, je crois. C'est We Coach, c'est pas Babo. Ils me font un drone dans le couloir jaune, les gars, dans le couloir jaune. Je sais pas que je me fasse encore. Je te prends tout le pack déjà, faut que tu te décides, gros. On va push. La front, allez. En vrai, on va voir. Attends, open les barricades de ton côté. C'est le pire lead de France. Frérot, c'est Theme Park. On push quoi, front? Back. Faut que t'arrêtes ce côté-là, Scar, t'es casse-couille, hein. Tu demandes, tu prends tes responsabilités. J'ai dit, tu prends tes responsabilités, ok? Quand tu proposes un truc, t'assumes le fait que ça puisse être de la merde, mais t'assumes pleinement. Vas-y, bah go front. Merci! Nero, viens avec moi sur le balcon. Putain, t'es relou là. Initiation, elle est smokée. Je suis dans la basse room. J'avance dans la smoke. Jimmer, Inni, je back, je suis tranquille. Y'a Mira, Inni. J'avance, Jaeger, Volt, je pense. Vas-y, go push Inni. Oh, y'a Mira encore.
Là, là c'était Jaeger côté, côté office. Je vais aller planter Volt, peut-être, non? Ouais, Volt office. Va Ini, on a la coupe avec. Pas Volt, j'ai pas Volt. Vas-y, je plante. J'ai pas Volt, hein. Il est au bac, il est close à moi, ouais, je crois. Close à Marotta. Et le son, il est bizarre. Je pilier. Ouais, il est toujours office. 25. Bien joué. Insère-toi, Gong, Jaya, et drone le site. J'envoie ce qui se passe. Je t'envoie un drone, Gong. Je change de mini si je veux gagner du temps, t'inquiète. Donc. J'ai toujours du mal à dire Gong. Parce que t'es raciste. Même principe que tout à l'heure, hein, personne sur site. Hein. Ah, mais je prends Mira, mais ça sert à rien. Bah, si, mais elle est très extra. Ça sert à rien, les gars. Il est petite Mira roaming. Elle est stylée ou pas, ma tête? T'es dégueulasse, mec. Oh là là, t'es si laid. On dirait toi dans la vraie vie. Oh, le contre son camp. On dirait Juliette. Wow. Ah, devant elle, il était tout mignon, hein. Ouais, bah, bonjour, madame. Devant elle, on avait Alpi Prime, Alpi mignon. Tu t'es fait disputer parce que t'as pas fait Parcoursup. Bah ouais, il faut. C'est important, les études. Il faut une étude. Ça, y'a un Atia clone, quelque part. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui vient, on se cache. Cache-toi, s'il te plaît. Je garde la 3 drone. Je vais faire 3-6. Ah, c'est stressé, les gars. Est-ce que t'as les sympas? Il va rentrer frigo, hein. Non, me la pique pas, elle est à moi. Elle est à moi, j'ai dit. Quel bande de fils de Baba Boy. C'est une ambition. Vous êtes pas très respectueux, bande de fils de quand même.